on est en train de choisir les terrains. Ouais, ils sont en train de choisir les maps. Un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Regarde, paf. Attends, Joe, bonjour. Paf. Vas-y, bon. Vas-y. Salut. Et donc on va lancer bien sûr ce match-là, Gerudo contre Pure Fenouille. Qui a fait ça ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est un espèce de logiciel là. Alors, montre-moi. Attention, là, retour à la cam. Ouais, c'est ça, en fait, tu peux choisir. C'est incroyable. Ultimate Stream Tool, ça s'appelle. On va choisir les persos, bien sûr. Bon, bref, je pense. À King Karol, tiens. King Karol de Gerudo. Et Mewtwo. Contre Mewtwo, ok. Qu'est-ce que tu penses, Pablo, du match ? Alors, je pense que. C'est Even. Je pense que les deux persos. Je pense que Karol, c'est un perso très sous-estimé. Mewtwo aussi, peut-être, hein, d'une certaine façon. Le problème, Mewtwo, c'est que c'est un glace canon. Après, on va voir comment Pure Fenouille se débrouille. Il risque de mourir très très vite. Bah, pour l'instant, il se débrouille. Là, pour le moment, il se débrouille bien. De toute façon, Gerudo, c'est sa stratégie de camper au ledge. Attention. Ah, c'est pas le bon choix. On avait le nerf là. Attention, Pure Fenouille, pour le moment, qui arrive à mettre en pression Gerudo hein, sur ses 10 premières secondes, 20 premières secondes. Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, pour. Par contre, attention, parce que du coup, on a échappé à un spike là. Oula, déjà un coup 86%. Donc là, c'est. Ah, j'ai peut-être. Bon, là, on va pas. La caméra, voilà, on va partir bien, voilà. Comme ça. On va faire paf. Le TP, ah ouais, là il a mal TP là, malheureusement. Il a TP, il s'est fait punir par un. Et là, regardez paf. Et voilà, c'est ce que c'est pas magnifique. Voilà, attention, le Edgard. Il a préféré de la trap. Oula, attention, oula, ça. J'espère qu'il va prendre le kill. On peut se poser des questions sur la DI, encore que. Sur la DI, ouais. Ça avait l'air d'être assez dans les pourcents. Ouais, c'est, je sais pas, peut-être qu'il s'y attendait pas qu'il allait direct faire après les selfies. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui regarde le stream actuellement? On ne sait pas. En tout cas, n'hésitez pas à commenter pour dire que vous êtes là. Ouais, c'est sur le backer qui a failli tuer là. Oh le. Attention, le boulet pour du garde. Pourquoi pas, on sent que les joueurs sont pas forcément très très chauds. Là, c'est le début. On lui regarde. Oh, c'est clair qu'il va tuer. J'espère qu'il tue Mewtwo très tôt. Et l'air de rien, en lisant le chat, on peut voir que Gerudo a déjà pris un stock d'avance. Ouais, et il a juggle avec les EPR et ça a bien marché, ça lui a permis de mettre beaucoup de pourcents. Ouais, c'est peut-être un peu tôt. Hein, dans... Exact. Oh là là, le dash attack qui a failli tuer. Par mort de Karol. Va-t-il. Attention, il va dire. Attends, on l'a tranquillement, on met des bots. Il attend l'option de s'adresser à la SD, c'est dommage. Le suicide offstage, bien sûr, par la pression de Gerudo. Et c'est une victoire pour King Karol. Gerudo est un passif qui met, s'appelle Top Player Pression, qui met la pression donc aux joueurs. Ça fait que les autres joueurs SD, du coup. Ah, voilà, ça force les joueurs à se SD. Un passif que d'ailleurs les légendaires dans Pokémon utilisent aussi, qui s'appelle Pression, qui double les PP des Pokémon utilisés. Eh bien dans ce match, Pression te fait te suicider. C'est exactement ça. On devrait mettre 1-0 là, non ? Eh bien c'est une très bonne idée, donc on va tout de suite changer ça. C'est là je crois, là oui. Et du coup ça va faire quoi ? Ah d'accord, j'ai vu le petit carré, d'accord, incroyable. Ah c'est quand même magnifique. C'est vrai, pendant que... Oh là là, la tentative déjà de Dead Guard à pas pour cent. Ah Gerudo, il a voilà, donné la vie. Il est trop à 100%. C'est Karol, hein, c'est bon, j'ai main Karol. Hein, bah possible. En vrai, si c'est ça, c'est trop à 100%, t'as tué très tôt les légers. Ouais, les légers qui se, peuvent se faire avoir très simplement par les lourds comme ça. Il se débrouille bien, mais moins bien là, pour cette game. Il commence un peu à prendre la confiance quand même. Ouais, là, il a raté le jeu, c'est que... dommage. Parce que la première game s'est bien passé, mais là ça se passe assez mal. Et le problème, c'est que comeback contre un Eevee, c'est assez difficile. On va bien voir, il essaie de gratter les pourcentages sur Mathilde. Oh là là, il tente de Edgar de donner. On échappait au spike très peu. Ouais, là, fallait pas se le prendre. Attention, la trop. Oh là là, il a don't throw up smash. Et donc, il est sorti pile il est sorti au pile au mauvais moment. Ouais, il a. Ouais. Donc voilà, on est 2-0. Voilà, bien joué à Gerudo qui gagne ce premier match du stream. Contre toute attente, bien sûr, personne ne s'attendait à le voir gagner.
Après, ouais, c'est vrai que du coup, son adversaire. C'est faux. A pas eu de chance de tomber sur lui. C'était peut-être un des matchs. C'était peut-être une des moins bonnes idées. Un bon match à montrer, je pense. Alors, le Garudon, on le voit souvent à la fin, donc c'est pas une très bonne idée de le mettre au début. On préférera privilégier les gens qu'on ne voit pas souvent. Ah, c'est vrai, on peut. Non, mais ça, c'était quand même une. En tout cas. Purfenu qui a bien joué quand même, surtout la première game. Ouais, c'était pas mal.